Le positionnement géographique du Maroc en proximité de l'Europe et comme étant la porte de l'Afrique font de lui une destination pour les divers réseaux d'échange. Le Maroc a donné durant ces dernières années une grande impulsion au développement de sa logistique. Celle-ci constitue une priorité stratégique pour le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale. Une nouvelle stratégie sectorielle volontariste a été définie pour répondre aux nouveaux besoins en services logistiques. Parmi les orientations de cette stratégie, la réduction des coûts logistiques du Maroc de 20 à 15% du PIB, la contribution à la protection de l'environnement par la réduction des émissions de CO2 liées au transport routier de marchandises d'un taux de 35%. La mise en place et la modernisation de zones logistiques, le développement des compétences en logistique par de nouvelles formations. Le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique travaille à accroître la compétitivité de la logistique de l'économie nationale par plusieurs institutions publiques affiliées, comme l'Agence marocaine de développement de la logistique, qui coordonne en collaboration avec les acteurs publics et les opérateurs économiques logisticiens pour améliorer, structurer et développer les chaînes logistiques des principaux flux de marchandises au Maroc. L'Agence marocaine de développement de la logistique réalise aussi les études stratégiques et les plans d'action visant le développement de la logistique du royaume. La Société nationale du transport et de logistique constitue un modèle dans le domaine de la logistique, puisqu'elle dispose d'un système de transport efficace et offre des services de qualité fiables et sûrs, tels que le transport national et international, l'entrepôt et le stockage, le transit et la distribution. L'Office national des chemins de fer, chargé de l'exploitation du réseau ferroviaire du Maroc et la construction des lignes nouvelles des chemins de fer, l'optimisation des flux logistiques repose sur la mise en place d'un réseau de plateformes logistiques pour le groupage et le dégroupage des marchandises. Le développement d'un tel réseau nécessite de réunir certaines conditions, notamment un foncier respectant les critères de la localisation et de la proximité, une connectivité adaptée en termes de logistique. Le Maroc dispose aujourd'hui de près de 600 hectares de plateformes logistiques aménagées à plusieurs régions, entre autres la zone logistique Znetta à Casablanca, considérée comme la plus grande zone logistique au Maroc, développée sur une superficie de 323 hectares, ainsi que la zone logistique Mita, créée par l'Office national des chemins de fer, ONCF, sur une superficie de 32 hectares, en plus de la zone Medhub à Tanger. Cette dynamique a généré une diminution du coût d'entreposage de 3 à 1,9 dirhams palette par jour entre 2010 et 2016, ainsi que la diminution du coût de la localisation mensuelle par mètre carré de 62 dirhams à 40 dirhams durant la même période. La formation des ressources humaines au métier de la logistique est l'un des axes prioritaires de la stratégie logistique nationale pour répondre aux exigences et aux besoins du secteur. Grâce à cette stratégie, notre pays a des objectifs ambitieux à court et moyen terme pour un déploiement complet à l'horizon 2030.
C'est à travers les stratégies sectorielles volontaristes du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique que le Maroc vise à se convertir en hub régional et international en matière de la compétitivité logistique, en réduisant les coûts de transport logistique et en mettant à niveau la qualité et la performance des services logistiques.